Bien. Alors ici, donc, un Ficus retusa. Ficus, essence tropicale, mais qui dans nos régions ici a passé l'été et voire une grande partie du printemps à l'extérieur. Mais bientôt, la saison froide devrait arriver, donc on commence à le préparer pour cette saison froide à l'extérieur. Il va retrouver une température idéale pour lui, c'est-à-dire une température entre 18 et 19 dans un appartement, proche d'une vitre pour qu'il y ait le maximum de lumière, en faisant très attention évidemment qu'il n'y ait pas le soleil direct, parce que le soleil derrière la vitre, c'est très dangereux pour ce genre d'arbres, ils n'aiment pas trop. Donc à l'intérieur, eh bien 18-19 degrés. Attention aux climatisations, parce qu'ils n'aiment pas, parce que des fois c'est froid, des fois c'est un peu plus chaud. Donc il faut être prudent pour ces arbres quand ils sont dedans aussi. Donc une petite taille pour le rentrer. Donc toutes les tailles qui sont un peu fortes de l'été, eh bien, on les coupe. On reste jusqu'à une ou deux feuilles, puisque sachant que dans la période hivernale, ben, il va continuer à pousser, puisque ce genre d'essence, donc ça pousse tout le temps. Alors il ne faut pas hésiter. Moi, ce que je fais, je taille au printemps, les belles journées de printemps, quand je le sors définitivement pour l'été, ben, je fais une petite taille. Et là, maintenant, je vais le rentrer, je vais faire une autre taille, et je fais une taille également en plein été, quand il a bien poussé, pour garder la structure de l'arbre. Donc le ficus, c'est pas un arbre difficile. Il y a des soins à apporter et c'est un arbre que je peux conseiller à des amateurs de bonsaï débutants.